c'est Nahid Rachel depuis New York. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler de la vie et de ces surprises. Des fois, elle vous fait de belles surprises, des fois, elle vous fait de très mauvaises surprises. Alors aujourd'hui, j'ai une mauvaise surprise. Je suis installée présentement chez mes amis à New York. Le problème, c'est qu'ils partent en voyage à l'impromptu et du coup, je ne suis pas autorisée à rester parce qu'ils ont peur du système Airbnb. Donc voilà, logiquement, je suis censée paniquer, être mal. J'ai pas prévu de venir m'installer à l'hôtel parce que ces amis-là m'avaient proposé gentiment de m'héberger. Alors deux choix. C'est soit je vais laisser cet événement me pourrir la journée et ne pas profiter, soit au contraire, je vais appliquer ce que j'ai appris à Harvard et j'ai adoré et c'est ce que je vais faire. Alors, le principe est très simple. Vous avez un problème. Deux options. Est-ce que vous pouvez le régler? Oui. Pourquoi s'inquiéter? Vous avez un problème. Vous ne pouvez pas le régler? Non. Pourquoi s'inquiéter? De toutes les manières, si vous avez la possibilité de le régler, fine, ne pas s'inquiéter. Si de toutes les manières, c'est au-delà de vos capacités et que vous ne pouvez pas le régler, pourquoi s'inquiéter aussi? Donc aujourd'hui, moi, je ne m'inquiète pas. Je lance à l'univers que ce soir, je ne suis pas SDF, que je ne passe pas la nuit dehors. Et je suis sûre que l'univers va prendre soin de moi et que je vais avoir un miracle d'ici la fin de la journée, en dormant chez des amis, ou trouver un hôtel super deal. Quelque chose va se mettre en place, mais en tout cas, je continuerai à profiter de ma journée avec Ilham qui est là avec moi et de passer un bon moment. C'était Nahid Rachel depuis Washington, non, depuis New York. Have a wonderful day. À demain.